Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Je voulais vous présenter aujourd'hui un modèle de chez Paul Biancoussi, artisan coutelier corse, euh, à côté d'Ajaccio. Le modèle Cursina, euh, modèle en corse pressé. Euh, un modèle que je lui fais faire. Euh, L'avantage de communiquer avec cet artisan, comme les autres artisans corse, c'est que vous avez la possibilité de choisir votre corne avant la réalisation de votre couteau. Là on est parti sur une, une lame en euh, un acier carbone forgé, donc du, du XC70 ou 90, 75, euh, avec une, euh, un tranchant qui est inimitable comme tous les couteaux corse. On a les poissons corse qui ont été imposés dessus. J'essaye de faire le focus il y a du mal. Pareil, voilà. On voit la tête de mouflon et le CT de la coutellerie traditionnelle corse. Euh, donc ils ont des poissons qui sont très visibles. Et vous avez après le poisson de la famille qui se trouve de l'autre côté. Euh, on a une trempe sélective à l'huile d'olive. Ce qui permet de, de, de faire apparaître cette démarcation. Euh, il a une lame qui est très jolie, une très belle finition, une vis de réglage, ce qui est plutôt pas mal pour ce type de couteau qui a tendance à bouger un petit peu avec le, le taux d'humidité. La lame est marquée. Là, je l'ai l'utilisais, hein, c'est une lame à base de carbone, donc effectivement, c'est des lames qui marquent, mais bon, faut accepter que sur ces couteaux-là, les lames marquent souvent parce qu'elles sont souvent on est avec des aciers à base de, de carbone. Ce qui les fait rouiller, donc on les essuie après utilisation, mais voilà, c'est ce qui ce qui fait ce tranchant et cette cette facilité aussi à, à réaffûter. Euh, bon, c'est typique des couteauliers corse qui utilisent beaucoup ces aciers euh, type euh, avec des mélanges de carbone et un mélange de fer après souvent euh, local après. Donc il y a, y a un mélange acier au carbone, Xc75, Xc70 ou 90 avec un mélange de fer avec des, des outils locaux en fait. Ouais. Euh, avec une très très belle corne qui est un peu flammée là, qui a des reflets magnifiques, une très belle finition. Donc on est sur un modèle qui est assez massif au niveau de la, la, la poignée. C'est un très très beau modèle. Donc euh, voilà. Donc il travaille avec son père. Euh, donc il travaille en famille avec Jean. Qui était un menuisier à l'époque ébéniste et qui a commencé un petit peu sa formation de coutellerie avec Christian Moretti, qui est très connu en Corse dans les, dans, dans les couteliers corse. Et Paul, son fils, après s'est mis à la forge, etc., et a été formé dans, sur ce métier-là. Donc voilà un petit peu pour présenter ce modèle-là. Euh, voilà, ces modèles que j'aime beaucoup ils sont très très jolis. Après, euh, voilà, je vous les mets à côté d'autres modèles euh, un petit peu avec un couteau du Lotus un petit peu pour les voilà les, les comparer un petit peu. Alors c'est un modèles complètement différents avec un, un Benjamin scellé aussi qui est beaucoup plus fin. je vais essayer de les ouvrir pour vous faire un comparatif un petit peu. Qui sont des couteaux qui font partie de la confrérie, des couteaux d'Écorce. Voilà, ils ont tous des, des formes. Et des modèles différents, voilà. et puis après euh, celui-là que j'ai déjà présenté euh, de Jean-Jacques Bernet, et puis un petit Musso aussi. C'est un ancien modèle. Bon, mais euh, Alexandre Musso fait d'autres modèles. Celui-là, c'est un vieux modèle. J'ai pas eu l'occasion d'en acheter d'autres, mais voilà. Et puis du Casorla éventuellement. Euh, voilà un petit peu, je vais vous faire une voilà, okay, vue de l'ensemble. Voilà un petit peu le style de couteau que vous pouvez trouver en Corse, qui sont des couteaux vraiment traditionnels, faits par des artisans. Voilà, Et bien, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.